Bonjour à tous, chers abonnés de Versets bibliques puissants. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous en ce début de journée. Aujourd'hui, je vous invite à commencer cette journée avec une séance spéciale de prière matinale. Une prière pour la guidance divine, la bénédiction, la protection et surtout pour obtenir un miracle urgent dans vos situations difficiles. Nous savons que chaque jour peut apporter son lot de défis, et parfois les situations que nous traversons semblent insurmontables. Mais rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu qui agit au moment où tout semble perdu. Si aujourd'hui vous vous trouvez face à des problèmes financiers, des difficultés familiales, des préoccupations professionnelles ou des batailles spirituelles, sachez que Dieu est là pour vous. Ensemble, dans la prière, nous allons demander à notre Seigneur d'intervenir puissamment dans vos vies, d'ouvrir les portes fermées, de briser les chaînes de l'adversité et de faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Que cette prière matinale soit pour vous un moment de renouvellement spirituel, un moment pour confier vos luttes à Dieu et lui permettre de vous guider tout au long de la journée. Je vous invite à prier avec foi et à croire fermement que Dieu entend chaque mot, qu'il voit chaque larme et qu'il est à l'œuvre, même dans le silence. Il a un plan parfait pour vous, un plan de succès, de prospérité et de paix. N'oubliez pas, chers abonnés, l'importance de commencer chaque journée avec la prière du matin. Cette prière vous fortifie, vous guide et vous prépare à affronter les défis du jour avec confiance et sérénité. C'est à travers la prière que nous trouvons la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Je vous encourage également à revenir chaque soir pour clôturer votre journée dans la prière, car la communion avec Dieu, le matin et le soir, est essentielle pour grandir spirituellement et recevoir ses bénédictions au quotidien. Assurez-vous d'aimer cette vidéo pour que nous puissions toucher plus de vie avec ces prières puissantes. Et surtout, n'oubliez pas de commenter avec cette phrase « Seigneur, je mets ma confiance en toi pour un miracle aujourd'hui ». Ensemble, nous prions et croyons que des miracles se manifesteront dans vos vies. N'oubliez pas, cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre marche spirituelle, chaque matin et chaque soir. Faites de ces moments de prière un rituel quotidien, car il est important de se connecter avec Dieu régulièrement et de rester sous sa protection et sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la victoire dans chaque situation que vous traversez. À très bientôt pour une nouvelle séance de prière matinale, ici, sur Graines des Sages. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens humblement devant toi en ce matin béni. Je te remercie pour le souffle de vie que tu m'as accordé en ce jour. Ce mardi est un don précieux que je reçois avec un cœur plein de gratitude. Je reconnais, Seigneur, que chaque jour est une nouvelle opportunité de te servir, de grandir dans la foi et de voir tes mains agissantes dans ma vie. Seigneur, avant de commencer ce mardi, je te l'offre entièrement. Je dépose devant toi mes pensées, mes projets, mes rêves et mes ambitions. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans tout ce que j'entreprends. Que tu sois la source de chaque succès que je vivrai aujourd'hui. Que chaque étape que je franchirai soit guidée par ta sagesse et éclairée par ta lumière. Ô Dieu, ce matin, je te demande de déverser des bénédictions abondantes sur cette journée. Que ce mardi soit un jour marqué par ta faveur et ton amour infini. Seigneur, que chaque porte que je franchirai s'ouvre avec facilité par ta grâce. Que ta main puissante prépare le chemin devant moi et que toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi en ce jour se manifestent. Accorde-moi le succès dans tout ce que je vais entreprendre, Seigneur. Que mes efforts ne soient pas vains, mais qu'ils portent des fruits abondants. Que chaque tâche que je réaliserai soit accomplie avec excellence, diligence et intégrité.
Je te prie de m'accorder la persévérance nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser sur mon chemin. Seigneur, je te confie mon travail, mes études, mes affaires et toutes mes activités professionnelles. Que ce mardi soit un jour de prospérité dans mon travail. Accorde-moi la clarté d'esprit pour résoudre chaque problème avec sagesse. Que mes décisions soient alignées avec ta volonté, afin que le succès que je recherche vienne de toi. Éloigne de moi tout ce qui pourrait entraver ma réussite. Que chaque projet que j'entreprends porte des fruits en abondance pour ta gloire. Je te demande également de bénir mes finances. Seigneur, ouvre les portes de la prospérité sur ma vie, multiplie mes ressources et donne-moi la sagesse de bien les gérer. Que je ne manque de rien en ce mardi et que tu pourvoies à tous mes besoins selon tes richesses infinies en Jésus-Christ. Garde-moi de toute dette, de toute difficulté financière et place des opportunités de bénédiction matérielle sur ma route aujourd'hui. Père Céleste, je te demande ta protection tout au long de cette journée. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire et c'est pourquoi je place ma confiance en toi pour me protéger. Protège-moi des accidents, des dangers visibles et invisibles, des personnes mal intentionnées et des situations néfastes. Que tes anges campent autour de moi et de ma famille, nous gardant de tout mal. Seigneur, éloigne de moi tout ce qui pourrait me nuire et accorde-moi ta paix parfaite dans chaque situation que je rencontrerai aujourd'hui. Seigneur, je te demande de m'accorder également la protection spirituelle, que je sois préservé des pièges de l'ennemi et des tentations qui pourraient détourner mon regard de toi. Fortifie-moi pour résister aux influences négatives et à toute forme de mal qui pourrait tenter de s'infiltrer dans ma vie. Que ton bouclier divin me protège et me garde en sécurité tout au long de ce mardi. Seigneur, éclaire mon chemin tout au long de cette journée. Accorde-moi la sagesse divine pour faire des choix justes et éclairés. Dans les moments d'incertitude ou de doute, aide-moi à me tourner vers toi pour trouver des réponses. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Guide-moi dans toutes mes interactions avec les autres, afin que je sois un instrument de paix, d'amour et de réconciliation. Que mes paroles soient pleines de grâce et de vérité, et que mes actions reflètent ton amour et ta bonté. Seigneur, donne-moi la capacité d'écouter ta voix au milieu du bruit de ce monde. Que je sois toujours attentif à tes directions et que je sois obéissant à ton appel dans ma vie. Je te confie aussi toutes mes relations, Seigneur. Que ce mardi soit un jour de paix, de réconciliation et d'harmonie dans toutes mes interactions avec mes proches, mes collègues et mes amis. Que mes relations soient bâties sur l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Seigneur, aide-moi à pardonner rapidement et à rechercher la paix dans chaque situation. Éloigne de moi toute forme de discorde, de malentendu ou de querelle. Que ta présence soit palpable dans toutes mes relations aujourd'hui. Utilise-moi pour être une bénédiction pour les autres et que je sois un témoin vivant de ton amour dans le monde. Que mon attitude et mes actions reflètent ton cœur et ta compassion. Seigneur, je te demande la force pour surmonter toutes les épreuves qui pourraient survenir en ce jour. Lorsque je me sentirai fatigué ou découragé, renouvelle mon énergie par ta grâce. Accorde-moi la force spirituelle pour rester ferme dans la foi, même lorsque les défis se multiplient. Que rien ne puisse ébranler ma confiance en toi. Je te demande aussi de remplir mon cœur de ta paix. Peu importe les circonstances extérieures, que je trouve toujours la tranquillité d'esprit en toi. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ tout au long de cette journée. Seigneur, je te rends grâce pour ce mardi qui commence sous ta bénédiction. Merci pour ta fidélité, pour ton amour qui ne faillit jamais et pour ta présence constante dans ma vie. Je te remercie d'avance pour toutes les victoires que je vais remporter aujourd'hui grâce à toi. Merci pour toutes les bénédictions que tu as en réserve pour moi et pour les merveilleuses opportunités que ce mardi apportera. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit une offrande de louange à toi, Seigneur. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté
et de ta grâce. Que ta gloire se manifeste dans tout ce que je fais et que ta lumière brille à travers moi pour que ceux qui me rencontrent aujourd'hui puissent voir ta présence et être bénis. Je te loue pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. En ce mardi, je viens te demander humblement de diriger mes pas dans tout ce que j'entreprendrai. Je te confie chaque instant de cette journée, sachant que sans toi, je ne peux rien accomplir de durable. Je reconnais que ta sagesse est supérieure à la mienne, et c'est pourquoi je m'en remets à toi pour chaque décision que je prendrai aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ta sagesse éclaire mes pensées, mes choix et mes actions. Donne-moi la clarté d'esprit nécessaire pour discerner ce qui est juste et bon, ce qui est en accord avec ta volonté parfaite. Que chaque étape que je franchirai soit guidée par ta lumière divine. Fais briller ta lumière dans les moments d'incertitude ou de confusion, afin que je ne sois pas égaré ou détourné de la voie que tu as tracée pour moi. Je te demande de bénir chaque effort que je fournis aujourd'hui. Que mes travaux, mes projets, mes rencontres et mes discussions portent des fruits abondants. Accorde-moi le succès dans ce que je fais, mais surtout, aide-moi à voir ce succès comme un moyen de te glorifier et de servir les autres. Que je sois un bon intendant de tout ce que tu me confies et que je puisse utiliser les dons et les talents que tu as placés en moi pour ton œuvre. Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes des opportunités que tu as prévues pour moi. Je sais que tout ce qui m'est destiné arrivera en son temps, selon ta volonté. Aide-moi à être patient dans l'attente de ces opportunités et donne-moi le discernement pour les reconnaître quand elles se présenteront. Que je ne manque aucune des bénédictions que tu as préparées pour moi en ce jour et que je sois prêt à saisir chaque chance de grandir et de prospérer sous ta direction. Père, que je sois un canal de bénédiction pour ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que ta bonté, ta grâce et ton amour coulent à travers moi et touchent les vies des personnes autour de moi. Que mes paroles soient empreintes de sagesse et de bienveillance et que mes actions reflètent ton cœur. Utilise-moi pour être une source d'encouragement, de soutien et de paix pour ceux qui en ont besoin. Que je sois un témoin fidèle de ton amour et de ta grâce en toutes circonstances. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu entends ma prière. Je sais que tu es à l'œuvre dans ma vie, même dans les moments où je ne le vois pas encore clairement. Je te fais confiance pour diriger cette journée selon ton plan parfait. Que tout ce que je fais soit fait pour ta gloire et que je puisse marcher dans la paix et la confiance, sachant que tu es avec moi à chaque instant. Merci pour ta présence constante, pour ta sagesse inépuisable et pour ton amour incommensurable. Merci de me guider et de m'accompagner tout au long de ce mardi. Je reconnais que sans ta main puissante et bienveillante, je ne peux traverser cette journée en sécurité. C'est pourquoi je me remets entièrement à toi, confiant en ta capacité à me garder sous tes ailes et à me protéger de tout ce qui pourrait me nuire. Je te prie de me garder des dangers visibles et invisibles qui pourraient survenir tout au long de cette journée. Que ce soit sur le chemin, dans mes interactions avec les autres ou dans mes pensées et mes actions, veille sur moi, Seigneur. Protège-moi des accidents, des maladies, des mauvaises influences et des mauvaises décisions. Je te demande de déployer tes anges autour de moi et de mes proches, pour qu'ils nous entourent et nous protègent de toute forme de mal. Que chaque endroit où je me rends soit sécurisé par ta présence et que chaque pas que je fais soit guidé par ton amour et ta sagesse. Éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui pourrait troubler ma paix ou me détourner de ton chemin. Je te demande de me protéger des pièges subtils de l'ennemi, des tentations qui pourraient me faire chuter et des personnes ou des situations qui pourraient m'entraîner dans des conflits inutiles. Que ta lumière éclaire mon chemin et que ton bouclier me protège de toutes les attaques visibles ou cachées. Garde-moi de tout mal, Seigneur, et que rien ni personne ne puisse nuire à ma paix intérieure ou à ma relation avec toi. Je te demande également de remplir mon cœur de ta paix parfaite, quelle que soit l'ampleur des défis que je pourrais rencontrer aujourd'hui. Je veux que ta paix règne en moi.
que je ne sois pas troublé par l'inquiétude, la peur ou l'angoisse, mais que je trouve toujours refuge en toi, sachant que tu es mon rocher et mon soutien inébranlable. Seigneur, dans les moments de stress, de confusion ou de doute, accorde-moi la sérénité de me tourner vers toi et de te faire confiance. Que ton calme divin m'envahisse et chasse toute agitation de mon esprit et de mon cœur. Que ton amour et ta grâce m'accompagnent dans chaque situation que je vais traverser aujourd'hui. Je veux que ma vie soit une manifestation constante de ton amour et que chaque parole, chaque geste que je poserai soit imprégné de ta bienveillance. Aide-moi à être une source de paix pour ceux qui m'entourent, à semer la réconciliation là où il y a des tensions et à apporter le réconfort là où il y a des besoins. Que je sois un reflet de ta grâce infinie, Seigneur, et que ma présence soit porteuse de réconfort et d'espérance. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta présence constante à mes côtés et pour ta protection divine sur ma vie. Je te rends grâce car je sais que tu veilles sur moi, que tu marches devant moi et que rien ne pourra m'atteindre tant que je suis sous tes ailes. Merci de m'accorder ta paix qui dépasse toute intelligence et de m'entourer de ton amour incommensurable. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions, visibles et invisibles, que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Je te prie de m'aider à les voir et à les apprécier pleinement, que je puisse marcher tout au long de cette journée avec un esprit de reconnaissance et un cœur rempli de joie. Que chaque moment de ce jour soit une occasion de te rendre gloire, de manifester ton amour et de vivre selon tes voies. Merci, Seigneur, pour ta présence constante à mes côtés, pour ta protection, ta guidance et pour toutes les grâces que tu déverses sur ma vie. Je te confie cette journée en te remerciant d'avance pour tout ce que tu feras pour moi. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Je te prie, Seigneur, de bénir cette journée, que ce mardi soit rempli de ta présence, de ta paix et de ta prospérité. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit guidé par ton Esprit Saint, que mes actions, mes paroles et mes pensées soient alignées avec ta volonté divine. Éclaire mon chemin et montre-moi la voie à suivre, afin que chacune de mes actions et décisions soit alignée avec ta volonté parfaite. Donne-moi la sagesse dans mes décisions pour que je puisse faire des choix qui honorent ton nom et qui reflètent ta vérité. Que ma pensée soit claire et lucide, que je puisse discerner ce qui est bon et agréable à tes yeux. Accorde-moi, Seigneur, un discernement spirituel pour reconnaître les pièges et les tentations qui pourraient se présenter à moi aujourd'hui. Que je sois attentif à ta voix, que je marche dans tes voies, et que je fasse preuve de prudence et d'intégrité dans tout ce que je fais. Père, je te confie mes pensées, mes paroles et mes actions. Que ta sagesse m'accompagne et que ta guidance m'éclaire pour que je puisse vivre cette journée en étant un reflet de ton amour et de ta grâce. Merci, Seigneur, de m'entourer de ta sagesse et de ta guidance divine. Je te prie de m'accompagner dans chaque moment de cette journée et de m'aider à marcher selon ta volonté. Je te prie de nous garder sous ta main puissante, de nous protéger de tout mal, de toute tentation et de tout danger qui pourrait nous menacer. Seigneur, entoure-nous de tes anges, qu'ils montent la garde autour de nous, veillant sur chaque aspect de notre vie. Que leurs épées flamboyantes repoussent tout esprit malveillant, toute influence négative et toute force obscure qui pourrait essayer de s'approcher de nous. Je te demande de couvrir chacun de nous sous tes ailes protectrices où nous trouverons refuge et sécurité. Que ta présence soit notre bouclier et notre défense, nous préservant de tout ce qui pourrait nuire à notre corps, notre esprit ou notre âme. Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs et que nous puissions vivre cette journée avec la confiance que tu veilles sur nous et que rien ni personne ne peut nous faire du mal tant que nous sommes sous ta protection. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et pour la sécurité que nous trouvons en toi. Je place ma confiance en toi, certain que tu es avec nous, aujourd'hui et toujours. Seigneur, je te demande de me donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions,
le courage pour affronter les défis et la force pour accomplir tout ce que tu as placé devant moi. Que ta faveur repose sur moi, que chaque porte que tu as destinée à s'ouvrir le fasse aujourd'hui et que toute bénédiction que tu as pour moi me soit accordée. Je reconnais que tout ce que j'ai et tout ce que je fais provient de ta main généreuse. C'est pourquoi je viens te prier, Seigneur, pour le succès et la prospérité dans chaque tâche que j'entreprendrai aujourd'hui. Père Céleste, je te demande d'accompagner chacun de mes pas aujourd'hui. Que chaque action, chaque décision et chaque effort soit guidé par ta sagesse et dirigé par ta main puissante. Que tout ce que je fais, que ce soit dans mon travail, dans mes affaires ou dans mes interactions avec les autres, soit couronné de succès grâce à ta bénédiction. Seigneur, je te prie d'accorder ta faveur sur mon travail, que je trouve la grâce aux yeux de ceux avec qui je collabore et que mes efforts soient reconnus et récompensés, que mes relations professionnelles soient empreintes de respect, de bienveillance et de coopération, reflétant ainsi ton amour et ta lumière. Je te demande, Seigneur, de me donner la force, la persévérance et la détermination nécessaires pour surmonter les défis que je pourrais rencontrer aujourd'hui. Que je puisse faire preuve de créativité, d'innovation et de diligence dans tout ce que j'entreprends, afin que mes efforts portent des fruits abondants. Que mes affaires prospèrent sous ton regard bienveillant. Que tu me donnes la vision et la direction pour prendre des décisions judicieuses, alignées avec ta volonté. Que je puisse voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles et que je puisse les saisir avec sagesse et discernement. Père, je te demande aussi de me protéger de toute forme de mal ou de sabotage qui pourrait entraver mon succès. Que toute tentative de l'ennemi pour me nuire ou pour détruire mon travail soit anéantie par ta puissance divine. Couvre-moi de ta protection et éloigne de moi tout ce qui pourrait compromettre mes efforts. Je prie également pour la paix dans mon esprit, afin que je puisse travailler avec un cœur léger et une confiance totale en ta capacité à pourvoir à tous mes besoins. Que je sois toujours conscient que c'est toi qui donnes la prospérité et que je ne m'appuie jamais sur mes propres forces, mais toujours sur ta puissance et ta grâce. Merci Seigneur pour la prospérité que tu me donnes, pour le succès que tu accordes à mes efforts et pour les bénédictions que tu déverses dans ma vie. Que tout ce que je fais soit un reflet de ta gloire et un témoignage de ta bonté. Je place cette journée, de calmer mon esprit et de me libérer de tout stress, de toute anxiété et de toute inquiétude qui pourrait troubler ma journée. Père Céleste, je reconnais que dans ce monde, il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter, de se sentir accablé ou dépassé par les circonstances. Mais je choisis de tourner mes yeux vers toi, sachant que tu es le prince de la paix et que dans ta présence, je trouve un refuge sûr. Je te prie, Seigneur, de me donner la sérénité nécessaire pour traverser cette journée avec un cœur paisible, que je puisse affronter chaque situation, chaque défi avec calme et confiance, sachant que tu es à mes côtés à chaque instant. Que ta paix, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Seigneur, je te demande de m'aider à relâcher tout ce qui pourrait me peser aujourd'hui, les soucis, les peurs, les doutes. Je les dépose à tes pieds, confiant que tu prends soin de moi et que tu pourvois à tous mes besoins. Remplis mon esprit de pensées positives, de confiance en ton plan parfait et de la certitude que rien ne peut me séparer de ton amour. Accorde-moi, Seigneur, une tranquillité intérieure qui persiste, peu importe les circonstances extérieures. Que cette journée soit marquée par une profonde sérénité où je ressente ta présence apaisante à chaque moment. Que ta paix soit comme un fleuve qui coule dans mon âme, rafraîchissant et renouvelant mon esprit tout au long de la journée. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi, que tu veilles sur moi et que tu me conduis dans des sentiers paisibles. Aide-moi à rester centré sur toi, à ne pas me laisser distraire par les soucis du monde, mais à m'appuyer sur ta force et ta fidélité. Merci, Seigneur, pour la paix et la sérénité que tu m'accordes aujourd'hui.
Que cette paix soit mon ancre, mon refuge et ma force, alors que je marche avec confiance, certain que tu tiens ma vie entre tes mains. Je te loue et te remercie pour ta présence constante et pour ta paix qui règne dans mon cœur. Père, je te confie mes projets, mes tâches et mes relations. Que tout ce que j'entreprends prospère sous ta main puissante. Que je sois une bénédiction pour ceux que je rencontre aujourd'hui, reflétant ton amour et ta lumière dans tout ce que je fais. Je proclame en ce jour, au nom puissant de Jésus, que ce mardi sera un jour de bénédiction, de progrès et de succès. Je renonce à toute forme de distraction, de découragement et d'obstacle, et je déclare que je marche dans la victoire, la joie et la paix qui viennent de toi. Seigneur, tu es le Dieu qui révèle les mystères, le Dieu qui se fait connaître à ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Je te prie en ce moment pour une plus grande révélation de ta présence dans ma vie, pour une proximité spirituelle plus profonde qui me transforme de l'intérieur. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je puisse voir ta main à l'œuvre dans chaque aspect de ma vie. Aide-moi à reconnaître ta présence dans les petites choses comme dans les grandes, à voir tes bénédictions, même dans les moments ordinaires. Que je puisse contempler ta beauté et ta majesté dans le monde qui m'entoure et que cela m'émerveille chaque jour. Seigneur, je te demande de me révéler tes voies, de m'enseigner à marcher selon ta volonté. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit dirigé par toi et que mon cœur soit constamment tourné vers toi. Je veux être sensible à la voix du Saint-Esprit, entendre tes chuchotements et discerner ta guidance. Que chaque décision, chaque action que je prends soit éclairée par ta sagesse et alignée avec tes plans pour ma vie. Je te prie, Seigneur, de m'aider à me défaire des distractions et des bruits du monde qui pourraient m'empêcher de te rencontrer pleinement. Aide-moi à cultiver un cœur qui recherche ta présence avant toute chose, qui trouve sa joie et sa paix en toi seul. Que je puisse me retirer dans la prière, méditer ta parole et écouter ta voix avec un cœur ouvert et réceptif. Père Céleste, je désire être plus proche de toi, connaître ton cœur et comprendre tes desseins pour ma vie. Je veux marcher en communion constante avec toi, ressentir ta présence apaisante à chaque instant et être rempli de ton amour et de ta lumière. Que mon esprit soit aligné avec le tien, que mes pensées soient captives de ta parole et que mon âme trouve son repos en toi. Je te prie également de me purifier, de me transformer à ton image. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la foi, d'approfondir ma relation avec toi et de ressembler davantage à Jésus dans mes actions, mes paroles et mes pensées. Que le Saint-Esprit me guide dans ce processus de sanctification, me rendant plus sensible à ses impulsions et plus obéissant à sa direction. Seigneur, je te demande de renouveler mon esprit et de raviver mon amour pour toi. Que ma passion pour ta présence ne faiblisse jamais, mais qu'elle grandisse de jour en jour. Aide-moi à être constant dans ma recherche de ta face, à persévérer dans la prière et dans l'étude de ta parole et à te servir avec un cœur entier. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour incommensurable, pour ta fidélité inébranlable et pour ta présence toujours disponible pour ceux qui te cherchent. Je sais que lorsque je te cherche de tout mon cœur, je te trouve et que dans ta présence, je trouve la plénitude de joie et de paix. Merci, Seigneur, pour la révélation que tu m'accordes et pour la proximité spirituelle que je peux avoir avec toi. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que chaque chaîne d'addiction est brisée. Que ce soit l'alcool qui noie la raison, les stupéfiants qui emprisonnent l'esprit ou toute dépendance qui a servi, je commande à ces chaînes de se briser maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume ces liens et libère chaque âme captive. Je m'oppose aux maris et femmes de nuit, esprits d'impureté et de perversion qui tourmentent les enfants de Dieu. Par l'autorité du Christ ressuscité, je brise leur emprise et proclame la liberté pour ceux qui sont liés par ces unions spirituelles non saintes. Seigneur, je te demande de guider mes pas et de fortifier mon esprit. Je m'éveille ce matin avec un cœur rempli de gratitude.
Je te remercie pour le précieux cadeau de ce nouveau jour, pour le souffle de vie qui anime mon être et pour les innombrables opportunités qui m'attendent. Que chaque rayon de soleil soit un rappel de ta présence lumineuse. Que chaque brise soit une douce caresse de ta bonté. Et que chaque pas que je fais soit guidé par ta main divine. Accorde-moi la sagesse de reconnaître et de saisir chaque occasion pour refléter ton amour et ta lumière dans ce monde. Aide-moi à aborder cette journée avec espoir, courage et joie, sachant que tu marches à mes côtés à chaque instant. Merci, Seigneur, pour ce nouveau commencement, pour la fraîcheur du matin et la promesse d'un nouveau départ. Que ma journée soit un chant de louange à ta gloire. En ce jour qui commence, je me tourne vers toi, source de toute sécurité et protection. Je te demande de veiller sur moi, ma famille et mes proches. Entoure-nous de ta présence protectrice et garde-nous à l'abri de tout mal et danger. Que ton ange gardien nous accompagne dans chacun de nos déplacements, protégeant nos pas et guidant nos actions pour éviter les pièges et les embûches du mal. Que ta main puissante nous préserve de tout accident et de toute adversité. Étends ta protection sur nos maisons, nos lieux de travail et tous les endroits où nous irons aujourd'hui. Garde nos corps en santé et nos esprits en paix, sachant que sous ton regard vigilant, nous sommes en sécurité. Seigneur, revêts-nous de ton armure spirituelle, afin que nous puissions résister aux tentations et aux attaques spirituelles. Que ton nom soit notre forteresse et notre abri sûr dans tous les moments d'incertitude. Merci, Père Céleste, pour ta fidélité et ta protection continue. Que nous soyons conscients de ta présence à chaque instant de cette journée. Accorde-moi, je te prie, la clarté d'esprit et le discernement pour faire face aux choix et aux défis de cette journée. Que ton esprit de sagesse m'envahisse, pour que chaque décision que je prends soit empreinte de justice et de prudence. Éclaire mon chemin avec ta lumière divine, afin que je puisse voir clairement la route que tu as tracée pour moi. Aide-moi à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, et donne-moi le courage de suivre avec confiance le chemin de la rectitude. Que je sois attentif à ta voix et sensible à tes orientations dans les moments de doute et d'incertitude. Dans mes interactions avec autrui, que ta sagesse guide mes paroles et mes actions, afin que je puisse agir avec amour, patience et compréhension. Que ma conduite reflète ton amour et ta vérité, et inspire les autres à rechercher ta présence. Je te remercie, Père, pour l'assurance que tu es avec moi, me guidant et me conseillant à chaque instant. Je place ma journée entre tes mains, confiant que tu me conduiras vers ce qui est bon et bénéfique. Face aux défis et obstacles que je pourrais rencontrer, je te prie de m'emplir de ta puissance et de ta détermination. Accorde-moi la force de persévérer malgré les difficultés, la vigueur pour résister lorsque je me sens faible, et la hardiesse de marcher courageusement à travers les épreuves. Que ton esprit me fortifie et m'anime, que ta présence soit ma constante assurance, me rappelant que je ne suis jamais seul, car tu es à mes côtés en tout temps. Dans les moments de peur, rappelle-moi de lever les yeux vers toi, car tu es la source de toute force et de tout courage, que je puise dans ta sagesse infinie pour trouver des solutions et dans ton amour inconditionnel pour rester ferme. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de ta résilience et de ta grâce, que par ma foi en toi, je trouve la capacité de surmonter et de triompher, affirmant la victoire que tu as déjà remportée en mon nom. Merci, Père, pour l'assurance que, quelles que soient les montagnes devant moi, je les franchirai avec toi à mes côtés. Accorde-moi, je te prie, la paix qui surpasse toute compréhension. Que ta présence calme les tempêtes intérieures de mon âme, dissipe mes inquiétudes et apaise mes craintes. Remplis mon cœur de ta paix, afin que je puisse faire face à chaque jour avec sérénité et confiance. Dans les moments de stress, que je me souvienne de respirer ta paix et de lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler. Aide-moi à rester ancré dans la foi plutôt que consumé par l'anxiété.
Apprends-moi à me reposer en toi, à trouver le repos dans ton amour et ta protection. Que je puisse marcher à travers les défis quotidiens avec la certitude que tu es avec moi, me guidant vers des eaux calmes et rafraîchissantes. Seigneur, que ta paix règne dans ma maison, dans mon lieu de travail et dans toutes les sphères de ma vie. Que je sois un porteur de ta paix, reflétant ta sérénité à ceux qui m'entourent. Merci pour le don de la paix, le refuge sûr que je trouve en toi. Je place cette journée et tout ce qu'elle contient entre tes mains. Je te demande de bénir mon labeur, de le rendre fructueux et source de satisfaction. Que ta sagesse guide chacune de mes actions et décisions, afin que je puisse travailler avec intégrité, excellence et créativité. Remplis mon esprit d'innovation et mon cœur de passion pour ce que je fais. Bénis mes collègues, mes supérieurs et tous ceux qui contribuent à mon environnement professionnel. Que nous puissions travailler ensemble dans l'harmonie et le respect mutuel, poursuivant des objectifs communs qui mènent au succès et à l'épanouissement de tous. Protège mon lieu de travail des conflits, de l'envie et de toute forme de malveillance. Que ton amour et ta paix prévalent, rendant notre espace de travail un lieu où chacun peut prospérer. Seigneur, que mes efforts et ceux de mes collègues soient couronnés de succès. Que notre travail serve non seulement à notre avancement personnel, mais aussi au bien-être de la communauté et à la gloire de ton nom. Je te remercie d'avance pour tes nombreuses bénédictions et je m'engage à utiliser les talents que tu m'as donnés pour le bien de tous. Bénis mes interactions avec ma famille, mes amis et mes collègues. Infuse chacune de ces relations avec ton amour et ta compréhension. Aide-nous à construire des ponts là où il y a des fossés, à pardonner là où il y a eu des offenses, et à chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Que ta sagesse nous guide dans nos paroles et nos actions. Dans les moments de tension ou de désaccord, que ton esprit de paix soit présent, nous rappelant la valeur de chaque relation. Inspire-nous à agir avec gentillesse et compassion, refusant la discorde et embrassant l'unité. Que nos foyers, lieux de travail et cercles sociaux deviennent des exemples de ton amour en action. Aide chacun de nous à contribuer à une atmosphère de respect mutuel et de bienveillance où l'harmonie prévaut et où chaque personne se sent valorisée et aimée. Merci Seigneur pour le don précieux des relations. Je te prie de protéger et de renforcer ces liens afin qu'ils reflètent toujours plus ton cœur aimant. Guide-moi dans mon cheminement de foi afin que je puisse grandir en sagesse, en amour et en dévotion. Éclaire mon esprit avec la lumière de ta parole. Que chaque jour apporte une nouvelle révélation de ton caractère et de tes voies. Aide-moi à comprendre les Écritures, à méditer sur tes enseignements et à les appliquer dans ma vie quotidienne. Renforce ma volonté de suivre le chemin que tu as tracé pour moi, même lorsque les tentations ou les distractions menacent de me détourner. Accorde-moi la persévérance pour rester fidèle, même dans les épreuves. Inspire-moi à servir les autres comme tu nous as appelés à le faire, à aimer sans réserve, à pardonner sans hésiter et à tendre la main à ceux qui ont besoin de ton amour et de ta miséricorde. Que mon cœur soit toujours aligné sur le tien, recherchant d'abord ton royaume et ta justice. Que ma vie soit un reflet de toi, un témoignage de ta grâce et de ta bonté. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, pour ton esprit qui me guide et me console. Je place ma confiance et mon avenir entre tes mains, sachant que tu m'accompagneras à chaque étape de ce voyage. Je te prie aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre la pauvreté, la maladie, la solitude et toute forme de détresse. Déverse sur eux ton réconfort et ton soutien. Renouvelle leur espoir, fortifie leur esprit et pourvois à leurs besoins selon ta richesse et ta grâce. Ouvre mes yeux et mon cœur pour voir où et comment je peux agir pour soulager leurs souffrances. Inspire-moi à être généreux, non seulement avec mes ressources, mais aussi avec mon temps et mon attention. Guide mes actions pour qu'elles reflètent ton amour et ta compassion. Fais de moi un instrument de ta volonté, un canal de ta bénédiction pour les autres.
Montre-moi comment je peux apporter un soutien concret, que ce soit par des actes de service, des paroles d'encouragement ou en partageant ce que j'ai. Que mon aide soit un témoignage de ton amour inconditionnel et de ta miséricorde. Je te remercie pour la possibilité de servir et d'être utile à mon prochain. Je suis prêt à répondre à ton appel, à être tes mains et tes pieds dans ce monde. Aide-moi à agir avec sagesse et compassion, cherchant toujours à faire le bien autour de moi. Accorde-moi la faveur de vivre chaque instant avec amour, joie et gratitude. Que ta grâce me guide dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je renverse les autels des pactes et des alliances néfastes, érigés dans l'ombre pour lier les destinées. Que les contrats signés avec le sang de l'innocence soient annulés par le sang précieux de Jésus qui purifie et sauve. Seigneur, que ta lumière éclaire les ténèbres, que ton tonnerre ébranle les fondations du mal. Que les scorpions et serpents, symboles des forces maléfiques, soient écrasés sous nos pieds. Que le rugissement du lion de la tribu de Judas chasse les démons et annonce la victoire de tes enfants. Je proclame que les portes de la captivité sont brisées, que les murs de la prison spirituelle s'effondrent, que les chaînes du péché, de la maladie, de la peur et de la mort sont détruites, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je prie pour un réveil spirituel, pour un vent de changement, pour une pluie de guérison. Que les cœurs endurcis soient ramollis, que les esprits confus soient éclairés, et que les âmes perdues soient retrouvées. Je déclare, au nom de Jésus, que ton amour incommensurable et ta lumière éclatante pénètrent dans les ténèbres les plus profondes de leur vie. Que les voiles de l'obscurité soient levés et que les chaînes de l'oppression soient brisées. Seigneur, pour ceux qui sont assiégés par les assauts spirituels, j'ordonne que ta protection les entoure comme une forteresse impénétrable. Que ton bouclier divin les défende contre les flèches enflammées de l'ennemi et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, les envahisse et calme la tempête de leur cœur. Je prie pour ceux qui souffrent d'addictions diverses. Je déclare que ta grâce est suffisante pour les libérer de ces chaînes, qu'ils trouvent en toi la force de renouveler leur vie, de se relever et de marcher dans la nouveauté de vie que tu offres. Pour les maladies et les afflictions, je déclare que ta main guérisseuse touche chaque corps et chaque esprit. Que la santé soit restaurée, et que les portes de l'opportunité et du travail s'ouvrent pour ceux qui font face au chômage. Seigneur, pour ceux dont les finances ont été asséchées par des forces spirituelles néfastes, je déclare que ta provision coule dans leur vie comme un fleuve inépuisable, que l'abondance remplace la pénurie et que la générosité remplace la peur. Pour les femmes enceintes, sous attaque spirituelle, je déclare qu'elles sont couvertes par ta protection, que leur bébé à naître soit gardé en sécurité et viennent au monde dans la joie et la santé. Pour les femmes qui souffrent de stérilité, je déclare que ta main créatrice intervient pour faire des miracles, que les entraves à leur fertilité soient levées et que la joie de la maternité leur soit accordée selon ta volonté parfaite. Pour les familles perturbées par des liens familiaux toxiques, je déclare que ta paix et ta réconciliation règnent, que l'amour véritable remplace la discorde et que l'unité soit restaurée au cœur de chaque foyer. Pour ceux qui se sentent destinés à l'échec, je brise ces chaînes de pensées négatives. Je déclare que la confiance et la persévérance leur sont données pour qu'ils puissent s'élever et réussir selon les plans que tu as pour eux. Je déclare la délivrance pour tous ceux qui sont bloqués par des esprits qui entravent leur chemin vers les bénédictions.
que ces liens soient rompus, que les obstacles soient enlevés et que la vie de bénédiction et d'accomplissement leur soit ouverte. Pour les malades, je déclare la guérison. Que ton amour et ta puissance les enveloppent, apportant un soulagement et une restauration complète à leurs afflictions. Je lève mes prières contre les malédictions familiales, déclarant que ta grâce les brise et renouvelle les générations avec des promesses de vie et d'espérance. Pour tous ceux qui font face à des blocages, je déclare que ta main puissante intervient pour ouvrir des voies de liberté et la réalisation de leur plein potentiel. Contre les pactes et les alliances néfastes, ces accords, signés avec le sang de l'innocence et scellés par la ruse des démons, je lève l'étendard de la victoire. Que les contrats maléfiques soient réduits en cendres, que les sceaux diaboliques soient brisés et que les âmes soient libérées de leurs engagements mortifères. Que cette prière soit le tonnerre qui précède la tempête de ta gloire, que les scorpions et les serpents, symboles de l'ennemi, soient piétinés et que leur venin perde toute puissance contre les enfants de Dieu. Je convoque les armées célestes, les puissances, les dominations, les trônes, les anges et archanges, pour qu'ils se joignent à cette guerre sainte pour la libération des captifs. Que leurs épées de feu tranchent les liens, que leurs boucliers de foi protègent les innocents et que leur lumière guide les âmes perdues vers le chemin de la vérité. Que les trompettes de la délivrance résonnent, que les murs de la prison spirituelle s'écroulent, que les cris de guerre de l'armée du Seigneur fassent trembler les fondations de l'enfer, que les chaînes tombent et que les portes de la liberté s'ouvrent. Je prie pour que le souffle du Saint-Esprit embrase les cœurs, que l'eau vive de la grâce lave les souillures et que le pain de vie nourrisse les âmes affamées de justice. Que cette prière soit le marteau qui brise les verrous, la lance qui perce le cœur des ténèbres et le cri de victoire pour ceux qui ont été réduits au silence par l'ennemi. Je proclame la liberté pour les captifs, la guérison pour les affligés et la paix pour les tourmentés. Que la force de cette prière soit le début d'une nouvelle ère de lumière pour ceux qui ont été piégés dans les ombres. Je crois en ta puissance de délivrance, en ton amour sans faille et en ton désir ardent de bénir tes enfants. Je place ces situations dans tes mains capables, sachant que tu es notre Rédempteur et notre Libérateur. Que ta volonté soit faite, que la paix et la liberté abondent dans les vies de ceux qui souffrent. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Veuillez sceller cette prière par votre Amen en commentaire. N'oubliez pas de l'écouter avec foi pendant les 7 prochains jours et revenez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Que cette prière de délivrance apporte réconfort, espoir et force à ceux qui en ont besoin. Que Dieu réponde à ces supplications et apporte sa libération dans la vie de ceux qui souffrent. Si cette prière a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec votre famille et vos amis. Que Dieu vous bénisse.